salut. Première vidéo sur la chaîne. Je voulais vous faire partager un peu mon expérience de débutant dans la détection. Je vous emmène avec moi sur une petite colline dans les bois. Cette colline a été occupée pendant quelques années pour assiéger une ville qui se trouvait aussi en hauteur sur une colline voisine. Elle a été occupée, cette colline, pendant 4-5 ans. Alors ce qui est marrant de savoir, enfin non, c'est pas marrant pour ceux qui y étaient, ils ont utilisé cette colline parce qu'elle était, tout simplement parce qu'elle était en hauteur, et ça leur a permis du coup de placer des catapultes ici pour tout simplement atteindre la ville et passer par au-dessus des remparts. Vous ferez peut-être une petite visite de la cité qui a été complètement ruinée, il ne reste plus rien, hein, mais encore les fondations. C'est bon de savoir ça, c'est voilà. Ok, c'est comme ça. Oh oui, hein, oh oui, tout seul dans les bois, on s'en fout, hein, oh oui, ah, tout seul. Je détecte avec ce matériel, je ne sais pas si vous le verrez, hop là, un Fischer F2. C'est pas un disque double D, oui, mais ça m'a jamais empêché de faire des belles trouvailles. Donc bah voilà, vous allez m'accompagner pour cette première journée en vidéo. Et puis j'avoue que c'est un peu la galère de trimballer le pied plus la caméra, malgré que mon pied est assez léger. Mais bon, la caméra, le pied plus la pelle et le détecteur, c'est un peu plus encombrant. Donc bah voilà, bonne vidéo à tous. Hop là, un petit son qui claque bien. J'en place la caméra un peu mieux. Voilà. C'est quoi ça fait? Stop. Allez, on continue. Encore un son, c'est à peu près le même. Je pense que j'ai fait encore la même chose. J'en sais rien. Bizarre. Encore un son qui sonne bien. Le même genre d'éclat qu'on a eu. Si vous avez une idée, dites-le moi. Un joli son, mais je l'ai que quand je balaye, je l'ai que d'un côté. Quand je veux croiser, je l'ai plus. On va le faire quand même.
cette tâche. Drôle comme ferru, un ferru marqué LH dessus. Si vous verrez bien. La caméra est inversée aussi. On continue. Bon bah voilà, encore un autre son juste là. Comme d'hab, de toute manière si je creuse, c'est pour ça qu'il y a des sons. Voilà. Voilà. Bon bah on y va. Bon, je vous épargne tous les petits moments de vidéo où je viens de faire que des balles. Parce que bon, sur un, je sais pas, sur environ 3 mètres carrés, j'ai fait que des balles. Donc le chasseur n'était pas bon viseur, on peut le dire. Et là, j'ai une cible qui me paraît intéressante. Eh bien, une capsule. Bon là, je suis sur une cible encore, mais honnêtement, je pense que c'est encore une balle. Je ne fais que ça depuis tout à l'heure. Ça fait une heure que je tourne dans le bois et que je fais vraiment que des balles. Que ce soit des cartouches ou des ogives, je ne fais que ça. Et là, honnêtement, je m'attends encore à la même. Une balle. Bon, encore une fois, on verra bien ce qu'il va y avoir là. Non. Bon, je m'attends encore une balle. Alors là, un magnifique ferreux. Bon bah là, j'ai une cible qui me paraît encore une fois intéressante. Aucune idée de ce que c'est. On dirait une balle, il y a des poils sur le dessus, comme une espèce de crochet. Aucune idée.
Bon, j'ai encore une cible ici. Je pense que ça va être la dernière dans le bois, parce qu'il va falloir que je rentre. Peut-être que je continuerai la vidéo avec un autre endroit, je leur dirai. Allez, on regarde ça. Décidément que des balles, que des déchets, ça marche pas à tous les coups, donc on verra bien, soit la vidéo va se clôturer sur ce magnifique déchet, ou soit je reprendrai peut-être sur un autre endroit. J'ai des autorisations sur pas mal de champs, et là, en cette période, ils sont tous semés, donc c'est compliqué. En plus, dans mes coins, c'est du maïs, donc il y en a pour un moment. Tous vos conseils sont les bienvenus aussi. Ça fait que 10 mois que je fais de la prospection et je trouve ça vraiment passionnant. Et puis même si on ne fait pas de trouvailles à chaque fois, c'est un plaisir de se retrouver en forêt et de se balader. J'ai changé d'endroit histoire de faire un peu plus de trouvailles. Là je suis sur le terrain de foot de mon village. J'ai déjà fait une bonne grosse partie du terrain de foot. En une matinée j'avais fait 14 bonnets, je vous mettrai une petite photo là. Et puis c'est pour ça que j'espère juste en faire quelques-unes histoire que la vidéo soit plus sympa à regarder. Voilà, allez, j'ai un premier son là. Bon, sans surprise, hein, les footballeurs ils ont les poches trouées. C'est plein de centimes d'euros que je fais ici, j'ai fait que du moderne. J'ai un ami qui a fait une, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est une monnaie italienne. Donc voilà, 10 centimes d'euros. Et ça sonne encore. Centimes d'euros, ouais, nouvelle cible, toujours au terrain de foot. Encore une cartouche de balle. Décidément. Un
1 euro. Complètement noir. C'est des monnaies qui vieillissent vraiment très très mal. J'aimerais bien voir l'année. De 1999. Nouvelle cible encore une fois. Une très belle 2 francs. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. De 1980. Ouais, elle est en superbe état. Celui-là, l'indice, il est pas stable, mais bon, on va le creuser quand même. Généralement, dans un champ ou dans un bois, celui-là, je passerai par au-dessus sans même le creuser. Comme quoi, un déchet, j'avais raison. Moi, les sondages, généralement, je passe par au-dessus. Si c'est un peu de la bourre et que ça me le permet, je gratte un peu avec mon pied pour enlever quelques centimètres et me confirmer que c'est bien ferreux. Et là, j'avais raison. Allez, on continue. Encore une nouvelle cible. Pour le coup, je suis pas sûr que ce soit un ferreux, donc on va le creuser quand même. Centimes, 2 francs, bon bah c'est des monnaies modernes mais elles sont vraiment en superbe état. Comparé à nos euros qui vieillissent en un rien de temps. Vous aurez une petite photo. Et on s'arrête pas sur une si bonne lancée. Très joli, pareil, en très bon état. Alors j'arrive à jamais à dater les boucles. J'en ai plein. J'arrive jamais à les dater. Donc si vous pouvez m'aider sur ce genre de boucle, carré, assez simple, plate, mettez-moi ça en commentaire. Allez. J'espère que vous m'entendez bien avec le micro, parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. Allez, viens! Et voici le chien du voisin. Allez, viens! Moi,
comme t'es belle. Moi comme t'es belle, oui. Oh là là là. Allez, on creuse ça. Ah, oh purée, même des petits diamants dessus. Incroyable. Et tu es resté là, tu me portes chance, toi. Regardez ça. Un petit pendentif. Avec un joli diamant, là. De manière, je vous mettrai ça en photo. Hein. Là ou là, vous verrez bien. Mais mon Dieu, comme c'est beau, ça. Bon, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que tu fous là-dedans, toi? Ah, c'est incroyable. C'est vraiment beau. Voilà, sur ce terrain, c'était... Sur le terrain de foot, c'était plus des choses comme ça que je pensais faire. Pas mécontent, franchement, super content. Allez, on continue. T'es incroyable, toi. T'as t'es folle. T'as t'es folle. Bon, et bien là, un mètre juste à côté, j'ai un son. Doucement le chat, doucement, 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 doucement. Donc on va le faire. Même si ça sonne pas très bien, je préfère le faire. J'ai pas tombé la caméra, toi. La capsule de Cronenbourg. Bon, juste pour vous montrer, hein, avant qu'il y en ait qui disent ouais, ils creusent sur un terrain de foot. Regardez mes trous, hein. Ils ne se voient pas. J'enlève la motte, je fouille en dessous et c'est tout. Voilà. Toujours accompagné du petit chien du voisin. Oui. Corona. Virus, on fait pas de bisous. Ah non. Tu déterres? Je creuse et toi tu rouches? Un truc comme ça? Non, tu veux pas? Voilà, un peu de ferraille. Est assez profonde. Ouais, on se retrouve encore pour un son. Nouvelle cible. Et nouvelle cible. Nouvelle cible. Nouvelle cible. Bon, allez, on se retrouve pour une nouvelle cible. Un plomb de pêche. Mais les anciens sont assez vieux ceux-là. 50 grammes, marqué dessus. Alors, à la rivière et pas toute proche. Allez, on continue. Bon, bah voilà, on va s'arrêter là. J'ai fait deux allers-retours en large sur le terrain de foot. Pas mal de petites trouvailles, on fera le reste sur une prochaine vidéo.
Merci à toi qui as regardé cette vidéo. Je pense que si tu as cliqué, c'est parce que toi aussi tu es curieux et que tu aimes, tout comme moi, chercher des petits trésors. On est tous un peu rêveurs. Prenez soin de vous. C'était Thérapie. Salut !